صباح النور وليداتي الصغيرين، صباح الخير والربح، صباح التفاؤل، صباح الجد والاجتهاد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وتكونوا بصحه جيده. سمحوا لي غبرت عليكم شويه لظروف صحيه، الحمد لله ملي لقيت راسي دابس قلت علاش لا، نحاولوا نستغلوا جميع الوقت ديالنا ونكملوا الدرس اللي كنا بديناه. Bonjour chers élèves, j'espère que vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va essayer de terminer ce qu'on a déjà commencé la séance précédente. D'accord ? On s'est focalisé sur la leçon du groupe nominal sujet, d'accord ? Les wal-fa'il. On a dit que le groupe nominal sujet peut être formé يمكن أن يتكون من اسم علم نوم بروبر سواء برونون بيرسونيل ضمير سواء ديتيرمينون بلس نوم اسم معرف سواء ديتيرمينون بلس ادجكتيف بلس نوم داكور اي il peut aussi être placé après le verbe يعني ماشي ديما كيكون avant le verbe يعني كاينين quelques cas كاينين بعض الحالات اللي كيكون فيهم الفاعل كيجينا بعد الفعل داكوغ بحال هاد لوكا هادي داكوغ دونك aujourd'hui ان شاء الله on va essayer de faire quelques exercices pour consolider notre ou bien nos connaissances باش اننا نقوي المعارف نتاوعنا دونك نبداو في لو بروميير اكزارسيس قال لينا souligne le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. D'accord ? La première phrase, lundi, nous irons à l'école. Al-itnain, sanadhabu, ila al-madrasa. D'accord ? Voilà. Donc, où est le sujet ? Où est le groupe nominal sujet ? Voilà le groupe nominal sujet. Très bien, c'est nous. Nous, c'est le groupe nominal sujet. Sa nature ? C'est un pronom personnel, damir, d'accord ? Et où est-ce que nous sommes en arabe ? Très bien. Allez, on va passer au exemple suivant, d'accord ? Sous le vieil arganier, dormait le berger. Tahta shajarat argan, yani l'qadima ou l'ajouz, yani kbira, shajara kbira. ينام أو لنام الراعي. Le berger هو الراعي. D'accord. Donc, où est le sujet dans cet exemple? Donc, فين هو le sujet? Très bien. هو le berger. D'accord. Qui dormait? C'est le berger. Donc, هنايا, on remarque que le sujet, ou bien le groupe nominal sujet, il est placé après le verbe et non pas avant le verbe. بحال هاد لو كا هادي اللي كنا ديجا شفنا. D'accord. Donc ماشي ديما كيجينا الفاعل قبل من الفعل. كاينين دي كا où on peut trouver ou bien on peut rencontrer que le sujet peut être placé ou peut être situé après le verbe. Très bien. Très bien. Le dernier exemple est le suivant. Mithal akhir. Pardon. La sonnerie donne le signal de la fin des cours. La sonnerie donne le signal de la fin des cours. Donc la sonnerie wal jaras yati alama fi akhir ad-dars fi akhir ad-dars yani fash kiysali ad-dars yarinu ad-jaras bach kanعرفو راه salina le cours dialna. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, la sonnerie donne le signal de la fin des cours. D'accord? Donc, où est le sujet dans cet exemple? Très bien. C'est la sonnerie. La sonnerie, wa ismun mu'arraf. Al-jaras, wa ismun mu'arraf. La sonnerie, wa ismun mu'arraf. Yannifi, le déterminant, la, ou bien, ou le nom. Sonnerie, la sonnerie, al-jaras. Très bien, j'espère que vous avez bien compris
cet exercice, on passe à l'exercice suivant. D'accord? Exercice numéro 2. Indique la nature de chaque groupe nominal sujet. Bayin tabi'at kulla fa'il. Bayin tabi'at kulla fa'il. Très bien. Zairi participe au match. Zairi, بحال مثلا قلنا مثلا الحجوي العلوي الى اخره. شارك في الماتش في المباراة. Donc, oui, la nature dit le sujet. Bien sûr, le sujet هو زيري. D'accord? Le sujet c'est زيري. Le verbe c'est participe, bien sûr. Et au match, c'est un complément d'objet indirect. C'est oui. Donc, la nature dit le groupe nominal sujet le زيري, c'est un. C'est quoi? C'est un nom propre. Donc, là. On va écrire nom propre. Est-ce que c'est clair? C'est un nom propre. Très bien. On passe à l'exemple suivant. Elle pratique le judo. Elle pratique le judo. Le judo, d'accord? D'accord? Donc, finalement, le sujet, très bien, c'est elle. La nature d'elle, elle, c'est un quoi? C'est un pronom personnel. Elle, c'est yahunna. Elle, yahunna, yumarisna, al judo. Yahunna, yahunna, le benet, mais je m'en ai dit, le benet. D'accord? Un ensemble de filles. Très bien, donc c'est un pronom. Pronom. Personnel. Parce que c'est un pronom personnel. Très bien, on passe. Les parents attendent leur enfant. Les parents attendent leur enfant. Les parents sont les parents. Yantadiruna ibnahum awla ibnata ibnatahum. D'accord? Donc, finalement, le sujet. Très bien. Les parents. Donc, les parents, je ne fais pas. Les, c'est un déterminant. Yak? Vous voulez gnaler al-ma'rifa? Terminant. Plus, c'est un déterminant, plus, non. Déterminant, plus, non. D'accord? A dit à la nature. Très bien. J'espère que vous avez bien compris l'exercice numéro 2. On va passer au dernier exercice. Complète les phrases avec un groupe nominal sujet. Atmim al-jumal talia bifa'il. Donc, on dit déterminant plus nom entre en classe. Donc, je n'en prie pas. Par exemple, on peut écrire l'élève. Atilmid dakhala. L'élève, d'accord, c'est E, c'est le E, l'élève. L'élève entre en classe, d'accord. Nom propre est la capitale du Maroc. La capitale, il y a Assimat le Maghreb, donc c'est un nom propre. Donc, je connais Assimat le Maghreb. Il y a Rabat. Ou bien sûr, on écrit R en majuscule. Il y a l'asma l'alam ou asma l'ashkhas. يعني الأسماء بلطول العالم وأسماء المدن كنكتبوهم ديما أو ماجسكول داكور غاردي سا أون تيت داكور غاردي بيان سا أون تيت تري بيان برونون دامير برونون c'est-à-dire on va ajouter un pronom داكور أم l'histoire et la géographie يحب التاريخ والجغرافية تري بيان برونون c'est quoi مثلا par exemple on dit أم je il faut faire un petit peu attention parce que Edna, le verbe conjugué à la troisième personne du singulier ou bien à la première personne du singulier. Donc, on peut écrire soit je, soit il ou bien elle. D'accord? Donc, par exemple, on va écrire il
Il aime l'histoire et la géographie. Est-ce que c'est clair? Donc, كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا هاد التمارين هادو القيمه, وان شاء الله باذن الله حاولوا انكم تراجعوا هاد الشيء مزيان في الدار, حاولوا انكم تعاودوه داكوغ, تعاودوه لانه مهم وغادي ينفعكم في هذا في لو باركور سكولير ديالكم. والى حلقه ان شاء الله قادمه باذن الله, خليتكم على خير.